académicien de l'université se limitait depuis toujours au transfert des connaissances de l'enseignant à l'apprenant en termes de savoir et de savoir-faire. Certes, le savoir et le savoir-faire jouent un rôle très important dans le renforcement des compétences techniques chez l'étudiant ou l'élève. Mais pour que ces compétences techniques jouent pleinement leur rôle dans la formation de la personnalité de l'élève ou de l'étudiant, il faut qu'ils soient accompagnés ou complétés des soft skills. Journée tenue le 2 novembre 2019 au sein de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. C'est une journée dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes et exactement un regard croisé entre qui et qui, un regard croisé entre le monde professionnel et le monde académique. C'est quoi en fait l'utilité de cette journée? C'est de pouvoir étudier le marché de ces jeunes, de savoir exactement ce que font les entreprises et ce que offrent les entreprises pour ces jeunes, ainsi de savoir quelles sont les politiques publiques et offertes par les autorités publiques afin d'aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Donc, comme vous le savez, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est quoi? Tout simplement, c'est d'encourager les étudiants à entreprendre. Quand on dit entreprendre, l'étudiant ici, bien sûr, il ne va pas chercher ce qu'on appelle le salariat, mais l'étudiant, il va chercher à être indépendant et libre à monter leurs propres affaires. Donc, c'est ça, en fait, pourquoi la journée a été organisée, et aussi dans le sens où on va savoir que pensent les professionnels par rapport à cette option d'entrepreneuriat des jeunes, et est-ce qu'ils ont des idées qui peuvent aider à améliorer l'entrepreneuriat, exactement l'intention entrepreneuriale et aussi l'esprit entrepreneurial des jeunes, qu'est-ce que les professionnels vont offrir et qu'est-ce que aussi l'État et les autorités publiques donnent aussi en contrepartie à cette indépendance recherchée par les jeunes. Bien sûr, c'est une journée qui était riche, qui était pleine de sujets, c'est-à-dire qui ont été présentés par des professionnels de renommée, de haut niveau, ainsi que des académiciens, des professeurs de la faculté qui ont discuté des sujets scientifiques en relation avec l'entrepreneuriat pour savoir quels sont les facteurs d'échec des projets d'entrepreneuriat, ainsi que quels sont les éléments que les jeunes doivent exactement attaquer pour développer l'intention et l'esprit entrepreneurial. La journée a été aussi riche par le sujet qui est des sujets qui ont été traités, surtout des sujets en relation avec, si vous voulez, la dimension financière, avec le secteur bancaire, qu'est-ce que les banques vont offrir à ces jeunes pour les encourager à développer leurs propres projets, sans oublier qu'il y avait un axe très important en relation avec le coaching, et il y avait des coachs qui ont été présents, ils ont répondu oui, pour encourager ces jeunes à travers leur propre expérience. Donc il y avait des expériences enrichissantes, des vraies histoires des entreprises réussies, et que ces jeunes ont bien profité de ces entreprises et de ces expériences, tout en sachant, bien évidemment, que l'exemple, elle est là. Elle reste seulement à appliquer correctement les techniques de gestion de la gestion des entreprises et le montage et la constitution des entreprises, sans oublier le management de ces entreprises qui est très important aussi pour réussir aussi par la suite l'aspect entrepreneurial chez l'étudiant. Alors, bien sûr, c'est une journée organisée par les étudiants. Je les remercie infiniment, les étudiants de la licence professionnelle finance, banque et assurance, sans oublier l'effort de l'université ainsi de la faculté. À la tête de cette faculté, il y a notre cher doyen, M. Rahim Etor, qui ne cesse pas d'encourager ce genre d'initiative. Une journée scientifique pareille, c'est une journée bien évidemment très très fructueuse. Pourquoi? Parce que l'étudiant, quand il assiste à ce genre d'événement, certainement il va sortir avec des recommandations, avec des idées intéressantes qui vont faire que l'étudiant ne cesse pas de penser entrepreneuriat, et c'est ça le plus important. I've been watching.
for some time. Can't stop staring at those oceans.